Hello, hello la famille, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser ce cake hyper délicieux et sans gluten. C'est parti! Pour la recette, il nous faut de la farine de mil, une farine sans gluten, également de la maïzena, des œufs également, du raisin sec, mais vous pouvez remplacer par autre fruit sec, du sucre semoule, du jus d'un orange, de la levure pâtissière et du sucre vanillé, sans oublier du beurre. On commence par séparer nos jaunes du blanc d'œuf qu'on va venir blanchir par la suite. On récupère nos jaunes d'œuf et on rajoute du sucre. À l'aide d'un batteur électrique, on va venir les blanchir. Une fois que nos jaunes ont blanchi, on rajoute une bonne cuillère à soupe de beurre. On vient battre le tout afin d'avoir un mélange bien homogène. Ensuite, on rajoute petit à petit notre farine de mil. Ensuite, on rajoute environ une cuillère à soupe de maïzena et on rajoute notre jus d'orange pour détendre la pâte. On rajoute ensuite notre levure pâtissière et notre sucre vanillé ainsi que les raisins secs. On va battre le tout afin d'avoir une pâte bien homogène. Vous pouvez rajouter aussi des zestes d'orange pour parfumer le gâteau. Voilà, notre pâte est prête, on laisse reposer et on va monter les blancs en neige. Nos blancs de sont bien fermes, on va venir les incorporer en deux temps à notre pâte. Et il faut ensuite remuer délicatement pour ne pas faire tomber les œufs en neige. Et voilà la consistance de notre pâte. Nous allons venir le verser dans un moule et enfourner pendant 30 minutes à 200 degrés. Voilà le résultat final, la famille, un magnifique cake sans gluten. J'espère que la recette vous a plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.